Que puis-je pour vous? Bon. Alors, sur les conseils de mon assurance, je viens porter plainte dans une affaire de destruction volontaire de biens. Une affaire de vandalisme. Racontez-moi. Ça s'est passé mardi dernier à Aulnay. Je voulais rejoindre en voiture ma femme qui était en train d'accoucher. Je viens d'être papa. Je me suis retrouvé pris dans un bouchon sur la 1, j'ai pris la première sortie. Il y a beaucoup de circulation, donc dès que j'ai pu, je me suis échappé. Et aux abords d'un pont, j'ai reçu un message de ma femme qui m'a un peu distrait. Et là, j'ai failli renverser trois jeunes qui traversaient un peu n'importe comment d'ailleurs. Mais j'ai pilé, personne n'a été blessé, ni même touché d'ailleurs. Vous étiez en excès de vitesse? Non, je devais rouler à 40 km/h grand maximum. Ah non, si vous avez manqué de renverser quelqu'un, c'est que vous rouliez trop vite de toute façon. Si vous voulez, je suis en tort, je conteste pas. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? J'ai une Porsche Cayenne. Votre profession? Je suis chef d'entreprise. D'accord, je vois. Je continue ou Oui, je vous écoute. Donc je me suis excusé. J'étais complètement en tort, hein, je viens de vous le dire. Mais ils ont refusé de me laisser repartir. Ils ont immédiatement appelé en renfort une dizaine de jeunes du quartier. Alors ils empêchaient les gens de derrière moi de faire marche arrière. Donc on était complètement bloqués. Moi j'étais complètement coincé avec ma femme qui m'appelait toutes les 5 minutes pour savoir quand est-ce que j'allais arriver. Et le ton est monté? Bah oui, forcément. À un moment, je leur ai même proposé de l'argent pour essayer de débloquer la situation. Ils ont refusé. Et ma voiture. Voyez-vous, monsieur, c'est ce que les gens comme vous ne comprennent pas. On n'achète pas les gens. On ne les traite pas avec cette espèce de mépris bourgeois. Si vous aviez fait preuve d'un peu de respect, vous auriez vu que tout aurait été très différent. Vous n'êtes pas sérieux? Oh, ça va, ça va. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Alors j'ai appris à lire entre les lignes. Ah non, mais je veux bien vous croire, mais là, vous vous trompez de bouquin, là. Bon. Donc, ma femme était en train d'accoucher, et moi voulant absolument lui tenir la main, j'ai donc mis des coups d'accélérateur pour chasser la joyeuse petite bande devant mon capot. C'est là où ils se sont mis à défoncer toute la carrosserie. Je suis assuré touriste, mais mon assurance ne couvre pas la réparation parce que j'ai pas de témoin. Ils m'ont donc conseillé de demander l'ouverture d'une enquête de police pour en retrouver au moins un. Mais ça vous étonne? Quoi donc? Qu'ils se défendent. Quelques minutes seulement après avoir manqué de les écraser, vous essayez à nouveau de leur rouler dessus et après leur avoir manqué de respect en plus. Ne m'interrompez pas, monsieur. Les gens comme vous sont le cancer de la société. Vous n'avez aucune considération pour la vie des autres. La vie des autres n'a pas de valeur pour vous. Mais, écoutez, je sais pas quoi dire. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Ah ouais, c'est ça. C'est moi qui suis à côté de la plaque. Vous remettez pas en question, surtout. Bon, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous raconter ma vie, mes valeurs, qui je suis. Et puis je crois pas que ce serait utile, on est vraiment pas sur la même planète. Ça, c'est sûr. Vous savez quoi? Croyez-moi ou pas, je m'en fous. Je vous rappelle que le dépôt de plainte est un droit et que vous devez l'enregistrer tel que je vous la dicte. Eh ben voilà. Tu vois? Les gens comme vous ne sont jamais très longs à montrer leur vrai visage. Je voudrais seulement que cette petite bande de jeunes connaisse un peu les lois. Comme vous, où il est moyen d'avoir un bon avocat. Vous seriez poursuivi pour tentative, d'homicide volontaire multiple, une belle condamnation. Ça vous obligerait peut-être à réfléchir un peu. Vous n'avez aucune idée de qui je peux bien être. D'ailleurs, penser qu'on puisse connaître les gens comme ça, c'est la pire des erreurs à commettre. Mais alors, dans votre cas, c'est pas seulement une erreur. Un type comme vous, avec un peu de pouvoir, vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça un danger. Oh, tu sais à qui tu parles? Tu te prends pour qui, là? La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça? Le métier me dégoûte parfois. Tu veux porter plainte? Ok. Je vais t'envoyer un stagiaire à qui tu vas raconter à nouveau toutes tes salades. Et ta plainte, elle va atterrir au fond de mon tiroir, tout en bas, jusqu'au jour où je décide de la ressortir et de me torcher le cul avec. Ça va, c'est bon, j'en ai ma dose. Salut, monsieur le directeur.